Néo a pris toutes dispositions pour vraiment garder comment qu'il est capable d'établir la sécurité. La paix en d'un pays, hein, parce que les que nous apprenons, conseiller présidentiel qui c'est Fritz Alphonse Jean, lui parlé avec directeur AGDA, la douane, disons bien, monsieur Jules Saint-Édouard, pour garder comment que question ZAM qui a rentré en d'un pays. Hein, parce que je m'oublie, en pile de ZAM qui rentré en d'un pays, hein, lui passé à travers douane nous. En pile ZAM qui rentré en d'un pays, hein, ma président encore. Li passé à travers douane nous. Et je dis, hein, c'est pas seulement mener opération pour déchouquer bandi à sa patio. C'est pas seulement pour ne capable marier bandi avec yo, mais si pas gain de disposition qui prend à travers douane nous, à travers aéroport nous, à travers port nous. Et même si la qui gain pour privé yo, je dis, hein, c'est la même ici à terre. Si que n'a parlé de résoudre question insécurité. Hein. La police pas chômée, la police pas gain lundi, pas gain mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La police continue à mener des opérations dans fief bandi. Et baba nous menti, gain en pile plaignant dans fief bandi et vivre ensemble. PM Gariconi, monsieur Clermont, parlait pour dire que délai que yo pas un délai non, mais était dit nèg armé. C'est vrai, l'État t'a demandé de déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État. Mais comme jusqu'à présent, il était bien dit, ça, il gondé les pour lui-même. C'est l'État va prendre une semaine, va prendre un mois, il va prendre deux mois, il va prendre trois mois. Mais selon PM Gariconi, il dit, mais normalement, l'État, gouvernement, CSPN, la police, pral passer à l'action et pral vraiment mettre Kishon dans mes bandits armés. Désir, comment est-ce que bonne situation, nous toujours grand plaisir pour nous rencontrer. Nous, là, la réalité, pour continuer à informer les amis internautes qui branchent un peu de partout à travers et différents plateformes. Quel thème sa nouvelle? Les infos, pas une nouvelle, votre calbas info, racine nouvelle Haïti. Nous, vous êtes chapeau pour nous saluer, pour nous dire merci pour fidélité à nous. Bonne situation, pour le week-end, et gagner et Nations Unies qui a adopté résolution 2743 2024 sur renouvellement mandat. Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti. Nous voulons parler des Bunis. C'est 15 membres du Conseil de sécurité qui votaient en faveur de la prolongation de cela, qui donc est mandat bureau et politique Nations Unies dans le pays d'Haïti, les prolonger jusqu'à 15 juillet 2025. Cap vini là. Et autorité ont continué à réfléchir pour qu'il y ait au cap permettre qu'une sécurité en dedans pays. Décision Conseil de sécurité et Nations Unies en prend pour prolonger mandat bureau intégré Nations Unies en dedans pays d'Haïti. Réaction commencé à venir. L'explication, le cas de André Michel qui dit c'est un bon bagaille pour Haïti. Plus passé, tout temps, Haïti a besoin support communauté internationale là pour débarrasser des gangs armés en dedans pays et puis rétablir sécurité, organiser prochain élection et puis rentrer dans le chemin développement socio-politique et économique. C'est ça, André Michel déclaré. Et décision ça selon lui, c'est une bonne décision pour permettre que le pays a refonctionné normalement. Ça a été fait dans le temps avant. Et l'autre décision qui essaie d'entreprendre toujours, gagner et président et conseil présidentiel transition qui renouvelait l'engagement. Bon côté parle de situation pour permettre que toute autorité en dedans pays a fait un seul, c'est qu'à prendre qui est arrivé avec objectif qui est gagné, qui s'est organisé l'élection, faire référendum, non, et essayer donc regarder que gens élection qui a privé organisé en dedans pays a dans toute crédibilité et Blaise Peterson. Premier ministre Gariconi, avec un ensemble membre qui fait partie conseil et des ministres T. Antonio pour Yotal et faire déclaration patrimoniale à travers le gouvernement, eh bien, selon eux, ils ont dit que c'est un pas important qui pourrait permettre que quel que soit le monde qui a venu dans l'État à travers le gouvernement, c'est là, pour respecter et chimer ça, qui va permettre que yo barrer la corruption, parce que le premier ministre Gariconi a déclaré c'est zéro tolérance contre la corruption, et bien lui-même, il fait privé par les personnes qui connaissent à qui ça l'entrée et à qui ça l'a gagné pour sortir, les l'a quitté. Gouvernement Blaise Peterson. Dans le département de la Tibonite, situation paraît extrêmement difficile. Et dans la journée qui était samedi à Blaise Peterson, bandit Axam qui n'a pas grand griffe en dedans sa vie, dans la première section communale de Rivière la Tibonite, et bien, y a tamé avec l'offensif contre bâtiment commissariat de Rivière la Tibonite qui était abandonné depuis le mois de janvier
2023, police te quitté espace ça, bandits ont déjà pillé prend ensemble objet de valeur qui était en dedans commissariat si là. Eh bien après ça, yo mettait du feu chambre par chambre, salle par salle dans commissariat rivière la Tibonite là. En l'air et en l'air dalle là, yo craser vide la terre et pour qu'on y a cette démarche après jeune engin loup pour craser commissariat ça net, c'est ça qui a fait. Si autorité ou pas agi plus vite que possible, eh bien commissariat caserne, ancien caserne rivière la Tibonite là, il pas existé encore dans communauté si là. Dans même journée et 13 juillet, la situation bandi base gangrifio fait une offensive fait contre base que Jovenel Moïse te construit méga commissariat c'est là qui dans localité Pachoual qui pas trop loin avec fonction de sous-route nationale numéro 1 ben pour être capable grand commissariat ça d'assaut c'est grâce avec vigilance policier idmo qui était dans l'espace ça qui était joine bourade itaga qui dans commune Verette qui permettent que yo que bandi yo pas atteint avec objectif que yo te gain faut que nous dire que paysan dans vallée la Tibonite bloqué route nationale numéro 1 pour empêcher circulation juste pour demander autorité qui dans la police dans plus haut niveau à gouvernement pour répondre pour dépanner ou bien voyons l'autre blindé neuf en département la Tibonite qui cap camper dans mitan ka foupay parce que c'est blindé qui pas là qui met bandi gangrifio fait ça ou vle ak ça hôpital dans mitan Kafou, si la blessure son. N'a pas rappelé, Charles Echansi, quitte la guerre en prison pour raison humanitaire, et bien, li lancé officiellement pendant le week-end, yon branche nan estructure politique qui est assez que la peut diriger dans la ville Gonaïve. En pile, moun a posé cette question. Est-ce que la justice suspend avec dossier Charles Echansi, parce que c'est pour problème de santé, qui a été libéré, et bien, pour qu'on y a la, li reprenne toute activité politique li dans le département. La Tibonite blessure son, ensemble, point ça yo, à divers lots, à bon côté pas nous, gal questionner. Pour analyser avec les amis internautes, cap gardé et tendu aux blessures. Désir, je dis que je dis là que ça qui est dans le pays là, et je suis capable de dire, et je suis capable de dire, désir, je dis en pile secteur, en pile acteur, croit que ça qui a passé dans le pays là, il méritait pour que. Nous gardons. Gen CPM, Jean-Michel Lapin, monsieur parlait puisque monsieur était invité dans l'émission Analyse sous Métropole. Okay. Et en même temps, tout est PM Koni qui parlait. PM Koni a encore montré que je dis, il n'y a pas de tête avec Bandi. Bien que il ait dit récemment, il a demandé Bandi de déposer ses armes, reconnaître l'autorité de l'État. Il te dit ça plusieurs fois. Il te dit les que il t'a recevoir, oh bon, il t'a recevoir déjà, mais les que il t'a bail conférence pour te parler de rivé officier kenyan yo, il te dit l'elle t'est sorti dans voyage États-Unis, il t'a redit ça encore. Mais avec un petit bémol pour dire que dès que l'État, alors l'État dès les gout qui écoute. Les gonde les qui écoute pour déposer ça et pour reconnaître l'autorité de l'État. Parce que l'État n'a pas qu'à faire toute une éternité avec Bandi. L'État n'a pas qu'à faire toute une éternité à demander Bandi de déposer les armes. Et de même pour déchirer mon ami, qui te dit que là où l'État est Banda, tout autant que le soleil pour qu'on lever. Et je dis, hein, mon yo, dans Port-au-Prince, dans divers côtés, il y a levé voyou et il y a demandé un seul bagaille. Sécurité. Sécurité pour permettre que vous soyez capable d'aller dans l'activité. Sécurité parce que à travers sécurité, petit vous êtes capable d'aller à l'école. Sécurité parce que à travers sécurité, et si commerçant nous, si détaillant nous, vous êtes capable d'aller vendre dans la rue. Sécurité à travers sécurité, vous êtes capable d'aller travailler. Sécurité parce qu'à travers sécurité, que le pays est capable de fonctionner. Diaspora est capable d'entrer en Haïti et qu'il y a un ensemble d'activités qui est capable de reprendre dans le pays. Sécurité, c'est ça qui a demandé des Yvenes qui nous venir avec Gary Kouni. Bon, l'important, Blaise Pierson, pour moun yo continuer à demander sécurité, parce que insécurité, c'est poison pour tout fonctionnement de yon pays. Et ou après, c'est le pays d'Haïti, autorité qui vivait optimum des affaires yo, yo montré que yo confortable dans l'insécurité et au grand peuple qui pratiquement tout le temps a pissé, donc chercher à accommoder avec situation difficile, c'est là, y a cherché l'autre issue. Si yo pas qu'à traverser ton son route ça, eh ben, yo arrangé ou bien à l'autre côté. Et nous, dans le mois de juillet,
Moment ça c'est moment que tu rentrer pays a un paquet de cob surtout avec Silao qui a sorti dans diaspora les personnes pour rentrer en Haïti Silao qui dans plateau central dans Sodo t'a pral gen en pile l'argent t'a pral rentrer dans économie zone ça avec fait que mon camel et Vierge Miracle Sodo et ben moun yo pas ka rentrer et ça fait nous web Bilolo Congo et qui pratiquement fait une vidéo qui est publié sur compte X et après TikTok li pour demander avec Jeff La Rose, qui est le tête de Jeff Goulois, qui fait quoi qu'elle servit loi. Et même vidéo, ça adresse tout avec Baron Plenin, qui est bras, papa, vrai, hein, pour au moins quitter route là, pour nous être capable de parler avec Vierge Miracle Sodo. C'est des situations qui sont très graves. Tout secteur, toute couche victime de ça qui a passé en dedans pays, en pleine situation, c'est important pour la population de lancer appel à autorité et autorité qui connaît qui langage, qui ont dû parler avec bandits en pile dans le pays. Parce que il y a des gens qui sont conseillers résidentiels. Il y a des gens qui ont fait ça. Ce n'est pas direct, mais organisation des partis politiques qui voient, de nous distribuer ça, c'est eux-mêmes qui ont parlé avec nous pour nous suspendre avec terre qui ont mis, ou bien yo bay la police l'armée moyen pour traquer bandi ou blessé personne. Bon, on va venir avec KPM Koni oui là et on va venir avec KPM Koni et Desi Venes, on va venir avec PM Koni là. On checker sur PM Koni puisque il est important pour nous capable dans cadre activité ça que il était présent et PM nan bay Mopal encore pour et puis madame Binuan oui parce que pas oublier renouvellement d'Abinu et madame Binuan qui sait exactement et qui c'est madame Maria Isabelle Salvador qui parlait et nous va venir aller comme ça avec madame Salvador pour que nous capable garder avec zami tout parce que pas grand pile acteur qui réagit concernant activité ça mais nous va venir avec PM Koni. PM Koni lui-même monsieur a encore montré que gain espoir pour Haïti, monsieur montré que lui-même il vient pour travail, il vient permettre que et transition réussie et j'en te disant l'a fait tout ça qui est dans pouvoir pour que transition capable réussir avec conseil présidentiel. Et c'est vrai, c'est une intervention qui est en français, mais nous devons faire une forme capable de garder et de s'en comprendre bien. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier. Ma présence ici témoigne clairement de l'importance que mon gouvernement accorde aux droits de la personne, ainsi que de notre détermination à promouvoir et protéger les droits fondamentaux, même dans les circonstances difficiles que nous vivons aujourd'hui. Les droits de la personne, en particulier les droits de chacun à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la nourriture et à une vie sans inquiétude, constituent les piliers mêmes de toute société. Leur protection et leur respect sont essentiels au développement, à la paix, à l'harmonie et à la fraternité. Depuis déjà plusieurs années, Haïti présente régulièrement des rapports relatifs aux conventions internationales ratifiées, notamment à travers le mécanisme de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Pour rappel, et ça a été déjà dit plusieurs fois, l'EPU est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 mars 2006. Il permet de passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU en matière de droits de l'homme. Chaque pays est examiné par ses pairs sur la base de son rapport national dans un esprit d'égalité et de transparence. Ça a été dit et je répète, Haïti a été examiné trois fois en 2011, 2016 et plus récemment en 2022 lors de l'audit du troisième cycle de l'EPU. Et lors de notre dernier examen en 2022, 82 pays sont intervenus et nous ont adressé 221 recommandations. Après consultation avec la société civile et les ministres, 205 recommandations ont été acceptées. Évidemment, je tiens à reconnaître l'excellente collaboration du gouvernement haïtien via le comité interministériel des droits de la personne et les Nations Unies représentées par la section des droits de l'homme du Et cette collaboration a permis l'élaboration d'un projet de plan national, d'action nationale des droits de l'homme, l'organisation de formations pour renforcer les capacités et la mise en place d'une base de données pour un meilleur suivi des recommandations de l'EPU. De plus, une campagne de divulgation des recommandations a été réalisée dans le Grand Nord et le Grand Sud, informant et impliquant les populations locales. Le présent rapport fait état de la mise en œuvre des recommandations sur les deux dernières années des efforts accomplis et réalisés. Aujourd'hui, c'est donc avec plaisir que le gouvernement vous accueille pour discuter et recueillir vos recommandations sur ce rapport, car vous êtes nos premiers partenaires.
Ensemble, nous devons œuvrer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti afin de construire une société plus juste et plus équitable. Nous devons créer les conditions nécessaires pour le respect des droits de chacun. Cela inclut la recherche de la paix et de la sécurité, la réduction de la circulation des armes et de la violence et le retour des personnes déplacées dans leur localité pour une vie normale. Nous devons également veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, améliorer l'accès aux soins de santé, augmenter le nombre d'établissements de santé et de personnel médical, lutter contre le chômage par la promotion des investissements et augmenter le nombre d'écoles professionnelles, les programmes d'aide sociale dans les quartiers défavorisés. En d'autres mots, on a une bonne idée de quoi faire. Et on sait quoi faire depuis longtemps. La question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment pour que dans un avenir très proche, on puisse montrer un progrès concret sur ces différents dossiers. Je pense que ce qui serait dommage, c'est qu'on se réunisse encore chaque année et on a le sentiment que ces différents dossiers, ces différents défis reviennent. Il est temps que la société haïtienne, que le peuple haïtien, que les communautés haïtiennes voient, constatent, vivent des progrès réels en matière de droit dans leur vie quotidienne. Et c'est ça l'engagement du gouvernement de transition. Pour finir, évidemment, je voudrais remercier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme du BINU pour leur excellente collaboration dans la réalisation de cet atelier. Je vous demande de sortir de cette pièce avec des recommandations concrètes, bien identifiées dans le temps, pour pouvoir tenir à la fois le gouvernement et ses partenaires imputables de résultats. Et je vous demande d'utiliser les différents réseaux et l'accès que vous avez pour nous rappeler de manière continue qu'on a un progrès à réaliser ensemble. Je souhaite que les représentants des institutions présentes profitent pleinement de cet atelier. Évidemment, je vous souhaite mon travail. Merci beaucoup. Ça, c'était et discours PM Gaïkoni dans un dialogue interfemme qui est organisé et journée qui c'est exactement samedi, qui était 13 juillet. Hein? Côté que PM Koni, monsieur encore parlé pour dire que le gouvernement a travaillé pour capable réduire la question de violence en un pays hein? Et travaille pour permettre que déplacer forcés soient capables de retourner la caillou, établir sécurité en un pays hein? Et permettre que respecter les droits de peuple haïtien gagné, que ensemble de droits qui ont gagné qui violé. Pabli aime toujours dire ça, que li écrit noir sous blanc dans maman loi pays. Hein? Noir sous blanc. Que droit à la sécurité, droit à la mangeaille, droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation. Parce que à côté de tout droit ça, là, PM Koni dit, elle dit, si mon retourne l'école, c'est droit à l'éducation. Éducation à même niveau, à même vitesse. Droit à la mangeaille, quel que soit mon te gain, il pas gain, il te mon ou te mon en bas, eh bien, il doit être capable de manger. Dans bonnes conditions, à bien dire. Droit à la santé, ça qui arrive, moun sa ge plus gros moyen, mais faut que ça n'est les centres de santé publique nou yo. Faut que l'hôpital général, je dis à que la police, l'État ou pas contrôle yon, faut être capable de refonctionner pour permettre que moun qui pi faible al prend soin la donne. Santé pas de luxe en Haïti. Et cette histoire, ou ensemble de clinique privée, ou dit, mais est-ce que l'hôpital privé, que pour moun yo, les arrivées la donne, c'est l'âge avant santé. Moi, c'est ça. Faut l'État travaille sous ça avec le secteur et santé en Haïti. Ça, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Éducation, faut pas l'école y l'ouvrir. Dans la balade Sibonite, l'école presque pas fonctionne depuis plusieurs années. Et qui de l'école là dans région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a plusieurs mois là, il n'y a pas qu'à fonctionner. Mais faut année académique 2024-2025 a privé là, faut permettre que tout si monde capable tourner l'école. Si élève l'école lycée Pétion yo, élève lycée Pétion yo, élève lycée Toussaint yo. Élève qui dans l'école nationale qui dans capitale haïtienne là, faut yo capable reprencher mes classes en septembre si je veux qu'à venir là. Li clair sous ça. Je dis hein, moi crois que occasion ça que PM nan. Li même qui mettait accent son ensemble de droits sa yo, mou kwa kul vraiment important des yevenes. Et je dis, hein, PM Koni, en pe moun ap di que, ou parle en pile ki ou fait action. Ou parle en pile ki ou fait action, pile moun ap di. Je dis, hein, et pep nan besoin action, vraiment besoin action concrète,
avec ce qui est visible, avec ce qui est réel. Parce que jusqu'à présent, yo dit yo, yo poko vraiment senti si yal ka voye nan question insécurité, misère, grand goût gande pays des Yévenes. La situation de tout pays que autorité le perd contrôle secteur éducatif là. Ils sont pays qui a marché vers déblosaille vers sa wèk existé dans pays en là. Parce que depuis un bon bout de temps, nèg qui rive optimum des affaires de l'État, yo entend yo pour banaliser l'éducation. Malgré que yo qui te entend qui vini avec programme qui cap permettre beaucoup plus de monde à l'école, mais yo fait gargote là-dedans. En exemple, Michel Joseph Matéli qui vini avec question FNE qui cap encourager beaucoup plus de monde à l'école, yo banalise le. Yo prend l'argent ça vous fait affaire pas. C'est juste pour me rejoindre nous côté ou garder divers espaces en dedans pays hein, qui pas l'école cap fonctionner là-dedans. Ta côté qui gen foyer gang yo, les ti moun yo garder yo wè ces âmes qui kembe dans même monde qui dans zone là qui vinn pas être comme modèle pour yo, qui ça fait c'est kidnapper, violer tout le monde qui a fait, et ben ensemble ti moun sa yo ou rendre que ou vinn gang. Premier ministre Gary Conny nan ti la parole li ça qu'il te gagne en Blaise Peterson, ou après qu'elle mettait en pile accent sur au commissaire qui dans Nations Unies cap défendre droit monde. Est-ce que si monde sort qui va à l'école dans l'Antibonite, dans petite rivière li encore dans Kafoupé, dans Moupé, dans l'Ister, est-ce que Timoun sa yo, yo pa gen droit? Le commissariat qui lié avec question a fait droit moun dans Nations Unies, est-ce que yo pa gen information sa? Qui sa yo produit comme rapport? Et c'est pas seulement rapport, parce que nous pas demandé rapport. Rapport avec action qui pose pour ensemble, dérive sa yo pa arrivé à travers département yo. Moins Timoun yo kon li, moins ti moun yo à l'école, c'est moins wap jwenn plus ti moun kap rentre dans gang. Et wap wè, UNICEF, nan sa ke yo produit comme rapport, yo gade quantité ti moun plus passe 300 000 ti moun ki gay tout partout nan des centres de refuge ki pa prepare pou recevoir yo, ki kap rentre ke yo trouve yo nan situation très difficile pou condition de vie yo. Je veux dire, ki sa nou di tèt nou, ki sa nou comprenn, lèn trouve nan situation kon sa. En gen ensemble de autorité ki tout simplement gen comportement d'observatoire. Il y a observé. Si moun yo pa à l'école, ça c'est ça fait garder parents, ça fait garder famille, mais c'est pas l'État. Pendant il oublié, c'est même constitution qui dit qu'il y a suivre qui permet que autorité dans pays qui dit que si moun yo gen droit pour y aller l'école, pour y apprendre li ak écrit. C'est même constitution ça qui mande yo même qui gen kay de sang, yo même qui gen belle machine. En dedans pays à coudé au pays, c'est même constitution ça qui mandait l'État, il doit assurer mon yo côté pour yo dormir, qui c'est droit au logement. Malheureusement, ça ou pas, jamais respecté. L'en gué un peuple qui suspend à souffrir faute de connaissance, nous garantit que pays que nous gué là, qui te les pelles des Antilles, yo transformé en poubelle des Antilles, qui baille travail avec Magali habitant, qui a grand passé fatra sans retirer dans pays, laisse à nous pral construit, yon département, nous pral construit, yon état prospère, pour tout le monde qui sorti là dans le sentier, yon fier, parce que, en plus, Haïtien perd fierté aujourd'hui, hein, par rapport avec ça qui a passé là. Et, communauté occidentiste, les situations, yon entend yon, pour yon rendre là son enfer, parce que nous, que tout quoi, valet, pas ici, valet touristique et historique, yon, et combat que vous menez, comme petit pays nègre, nègre estimé, si vous quittez pays ça, dans bien arrangé, côté gen l'union, gen l'amour, entre frères de même race, de même nation ça, eh bien, bah, la difficile pour yon, d'ailleurs, Franklin de la Roosevelt, te dit ça. Yon entendu pour yon soulever nous yon contre l'autre, qui comprennent que situation vient quatre fois plus difficile pour pays d'Haïti. Et de fait, yon fait intérêt ou là-dedans. Parce que c'est eux-mêmes qui payent fabricant, il y a fabriqué cartouches, il y a fabriqué armes, il faut que j'ai un espace pour vendre. Moi-même, et dans le discours du Premier ministre, dans l'activité interfemme qui pratiquement organisée pour discuter sous droit, mesdames, on nous dit que femme actifie a violé dans la minute qu'elle a parlé dans le département de la Tibonite. Il y a détourné machine, il y a détourné camionnette, bus avec femme actifie dans le département de la Tibonite pour rentrer dans la base pour correct sans race. Pour y faire viol collectif sur eux. En dedans, ça vient, c'est ça qu'a pratiqué. Village de Dieu, sans doute ça qu'a pratiqué. Nèg bout bay ou dans Mariani, c'est ça qui a fait. Descendre, garder machine yo, et femme qui plus en forme là-dedans, là. Yo prend, yo fait servir objet sexuel en dedans bas yo. Est-ce que autorité ou pas statué sous ça pour permettre que justice fait pour moun sa yo, le combat qui a mené pour rendre que sécurité tourne dans le pays, mais faut que nous d'accord, femme yo plus victime, surtout madame Sarayo, avec Timoun que nous gagnons, qui dans quartier, côté gagnant à contrôler, ou pas même besoin de causer, ou pas même besoin de remettre avec yo.
Après, on est venu, on compte ça qui passe, commandant besoin, descendre à jeune commandant et sortant d'ailleurs, péripétie, tout le monde ça a commencé. Faut qu'au moins, il y a une façon, il y a pensé avec ça, pour aborder le problème et poser des balises pour résoudre le problème, pour ça, par exemple, répéter en dedans pays encore, bien sûr. Bon, on vient avec Maria Isabel Salvador, qui est même si. Chef Binion Haïti, les mêmes qui étaient préparant et Andy et atelier de travail interfemme qui était organisé. Bon, venez avec Maria Isabel Salvador, les mêmes qui étaient parlé tout. Et pour nous attendre, qui ça, madame Maria Isabel Salvador dit, parce que pas oublier là, il y a renouvelé mandat Binu pour un an encore, si je ne me trompe pas. Mandat Binu retrouvé encore dans le pays. Et est-ce que Maria Isabel Salvador présente un bilan positif de tant que le guet a gagné dans la tête Binu en Haïti? Nous pouvons regarder ça avec lui et je dis, est-ce que nous-mêmes qui sommes en Haïti, qui sommes à l'étranger, qui a observé le travail Mme Maria Isabel Salvador fait notre tête en Haïti, est-ce que nous sommes capables de parler de ça? Désir, il y a une nouvelle qui vient là à l'étranger, c'est un chaviré dans l'échelle internationale. Nous apprenons que il y a un président Donald Trump qui lui-même, pendant qu'il était Pennsylvania, dans le cadre de campagne, pile 4 ou 4 tirés dans le bloc à côté de la fait meeting. Non? Et c'est garder les gars qu'on rapproche pour prendre. Yo wè ki zoye Donald Trump ben ensemble avec tout men visage li. Bon, il va dire pour on est plus ça qu'a passé, mais sans bilan. C'est touché, ça veut dire nouvelle ça t'a dit que Donald Trump t'a touché par cartouche, cartouche t'a tiré. Mon cher, est-ce que c'est cartouche, il touché par cartouche qu'une pas connaît pour des détails sur ça, mais image qu'a vienne dans pile média là et même nous même dans cette nouvelle, nous capable voir que imaginant que Zoraim que ces oreilles droite Trump gain pile sans cap coller la donne, mais gars dit qu'on était courir ensemble avec lui. Bon, nous pas connaît qui ça t'a la base pile tirer ça yo et qui ça t'a la course ça. Mais pas oublier élection 5 novembre 2024 États-Unis, c'est pas un petit bagage petit. Élection 5 novembre 2024 États-Unis, les pas un petit bagage petit. Parce que Trump clairement montre que élection ça faut le reprendre pour qu'à tourner dans tête États-Unis comme président. Et Joe Biden lui-même tout monsieur tout clairement montre que faut le kembe, faut prendre deuxième mandat derrière l'autre. La situation Haïti a pas mettre Donald Trump à l'épreuve si pas rien qui veut faire dans le pays d'Haïti par rapport avec Haïtien qui a vu on le droit de vote. Joe Biden qui au pouvoir. En tout cas, désir nous regarder ça. Et on vient avec Maria Isabel Salvador sur de César. Et bah sur de César non mais sous et bah, dialogue était interfemme. Oui, je dis présence faux autorité nationale yo ensemble avec représentants société civile là. C'est un message important qui témoigne espoir renouvelé et un engagement renforcé nouveau gouvernement transition dans la promotion et respect d'amour en Haïti. L'importance du rapport intermédiaire ne peut être sous-estimée. Il représente une étape importante pour faire le point sur les avancées, mais aussi sur les défis dans la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Il est également une plateforme pour partager les bonnes pratiques, renforcer la coopération et envisager des solutions aux problèmes persistants en matière des droits de la personne. Je reconnais que cet exercice est loin d'être facile au regard des violations et abus des droits de l'homme qui ont été commis par les gangs depuis plusieurs années. Meurtres, viols, enlèvements des citoyens, mais aussi attaques et saccages des bâtiments publics, commissariats de police, tribunaux, hôpitaux, écoles, ne sont que quelques exemples. En face de cela, il y a une administration qui a vu ses personnels quitter le pays en masse et faire face à des grèves répétitives, notamment dans la justice. Mesdames et messieurs, depuis l'établissement en 2003 de l'examen périodique universel, la République d'Haïti a déjà achevé 3 examens dans ce cadre-là. À chaque examen, Haïti a démontré un engagement croissant en acceptant davantage des recommandations. 122 recommandations en 2011, 205 recommandations en 2022. Parmi ces dernières recommandations, quelques-unes m'intéressent particulièrement. Il y a d'abord les recommandations concernant les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Elles sont déterminantes pour traiter les causes profondes qui sont le terreau de la crise que connaît le pays.
Il y a ensuite celle relative à la lutte contre la corruption. Des initiatives importantes ont été initiées, et notamment à travers le travail de l'ULCC. Mais le mal est profond. Pour éradiquer la corruption, la société civile et le gouvernement doivent travailler de concert. La première pour la dénoncer et le second pour la réprimer. Enfin, il y a la promulgation d'un plan d'action national sur les droits de la personne. Je sais que ce plan est finalisé. Sa promulgation par les gouvernements de transition serait un signal extrêmement fort envoyé à la population, aux acteurs de la société civile et aux partenaires internationaux. Mesdames et messieurs, l'engagement du BINU et de sa section des droits de l'homme envers le comité interministériel des droits de la personne, CIDP, et les autorités n'a pas faibli au cours de ces derniers mois en matière d'appui technique sur les questions des droits de la personne. En collaboration avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, le BINU a par exemple organisé des journées de formation virtuelle pour des cadres de l'administration et des membres de la société civile sur la question de la soumission et le suivi des cas de violation des droits de l'homme devant la Commission. Le BINU a également fourni des équipements informatiques aux points focaux du CIDP dans plusieurs ministères à Port-au-Prince, mais aussi dans les régions, pour suivre de manière plus précise la mise en œuvre de l'EPU sur le terrain. Le BINU croit que le CIDP doit jouer et peut jouer un rôle crucial dans sa fonction de conseil auprès du gouvernement et des ministères sur les questions transversales affectant la pleine jouissance des droits des citoyens haïtiens. À cette occasion, je tiens à réaffirmer l'engagement ferme et décidé du BINU et des Nations Unies en Haïti à continuer de soutenir Haïti pour qu'il remplisse ses obligations internationales et cela conformément aux priorités nationales établies par les autorités de transition. Je suis convaincue que tous ceux présents ici aujourd'hui partagent le même engagement pour travailler ensemble en faveur de la stabilité, de la paix et de l'avenir de tous les Haïtiens et les Haïtiennes. J'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à la cérémonie d'ouverture de cet atelier de consultation sur le projet de rapport mi-parcours au sujet de la mise en œuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel d'Haïti, organisé en partenariat avec la section des droits de l'homme du BINU. La réalisation de cet événement sous le gros patronage de la primature traduit la volonté du gouvernement de placer la question des droits de l'homme au centre de ses priorités. Bien évidemment, avec de nouvelles orientations que le contexte actuel requiert. Qu'il me soit permis d'adresser toutes les félicitations de l'OPC au cadre du comité interministériel des droits de la personne qui réalise un travail remarquable, non seulement dans la promotion du mécanisme, mais aussi et surtout dans la promotion et la production de tous les rapports périodiques et de leur suivi. Ainsi, conformément à sa mission en tant qu'institution indépendante nationale de promotion et de protection des droits humains, accréditée avec un statut A auprès de l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme, l'OPC renouvelle son engagement à soutenir toutes les initiatives du gouvernement en vue de créer des conditions favorables au rétablissement de l'état de droit, à la paix et à la jouissance des droits fondamentaux dans le pays. J'ai le plaisir de vous informer, dans le cadre de cette collaboration, que Maître Fadia Saint-Ville, chef de service de liaison avec les ONG de l'OPC, a été mise à disposition de la primature. Mesdames, Messieurs, l'examen périodique universel, mécanisme du Conseil des droits de l'homme,
créé en mars 2006 en vertu de la résolution 6251 de l'Assemblée générale des Nations unies, s'inscrit dans une dynamique permettant à chaque État membre de déclarer tous les 4 ans et demi les mesures qu'ils ont adoptées pour améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays et pour surmonter les obstacles à l'exercice de ces droits. Recevoir des recommandations d'autres États membres des Nations Unies s'appuyant sur des contributions des différentes parties prenantes en particulier. Ça, c'est parole ensemble de acteurs et qui ont même été participé dans l'activité ça que Andy plusieurs Andy organes qui organisent activité ça dans dialogue interfemme ça pour faire mesdames connaître droit yo et comment pour protéger droit yo bien que en Haïti nous connaît que mesdames nous yo c'est pas mes catégories monde qui plus victime dans société hein. Ah oui catégorie monde qui plus victime dans société yo c'est pas mes monde ça yo gè fòm yo gè ti moun yo gè gran moun yo gè handicapé yo c'est des moun ki victime en pile nan société yon et surtout nan période sa gen la période sa question et zak bandi armé kap kouy fè moun kouy kite la kayo kap pousse do moun yo kap fè si kap fè sa yo et bien ensemble de sa yo yo la cause que jodi a mesdames yo victime en pile par rapport avec situation ça fè mesdames yo konnen droit yo protéger droit mesdames yo ça vle di paquet bagay parce que quelque part situation li même li paraît vraiment compliqué parce que là les gars de moun nan pays ça qui pas bay mesdames yo importance que yo doit gagner qui pas bay mesdames yo et qui pas bay mesdames yo place yo parce que jusqu'à présent gon question de quota 30% ka parler en dedans bois l'état yo jusqu'à présent même quoi que le respecter même que ce quota 30% ça m'a pas respecter ça c'est un problème et je dis mesdames yo plus exposé yo plus flexible yo plus bagarre parce que les rives vont côté c'est eux même yo plus souvent utilisé et nous on dit là yo utilisé comme instrument pour permettre que yo fait passage sous do yo sous yo alors que au fond mesdames yo pas vraiment bénéficier ça pour bénéficier hein. Et je dis en tout les avec femmes yo mesdames yo et quel que soit en Haïti ou à l'étranger debout ça ici nous connaît que ou gain droit gain de droit qu'on gagne et même là où est gain de groupe monde qui a violé mais goumé pour que droit qu'on gagne yo capable respecter parce que ou gain droit pas ou gain droit dans société hein. Et surtout mesdames haïtiennes nous yo ça fait aujourd'hui pas normal comment on nèg parce qu'on gain zam nan men on eh bien parce qu'on gain zam nan mon au quartier au catouyer fiyan li pas ménage ou li pas madame ou OK et vous décidez pour coucher à cause de zam gen nan mon ou violer et si toutefois qu'il pas vle rentrer dans rapport avec ou ou touyel ça arrivé en bas la Tibonite avec tout comment basse grand griffe Alexandre là exactement ça arrivé dans Carrefourfeuille ça veut dire jeudi hein bah c'est que bataille pour que pour nous faire catégorie moun sa ou qui c'est mesdames dans société haïtienne que le respecter hein fann gomen pour ça et fann bataille pour ça parce que le respecter les jeunes qui va venir avec Jean-Michel Lapet aller comme ça mesdames yo besoin je role pas tout bless citizen pour faire droit yo respecter parce que en pile fois mesdames yo considérer tête yo en premier lieu comme objet et parce que ça a été fait on fois mesdames étaient tout simplement gain droit pour hériter faire ménage dans caille qui pas gain droit pour le travail à partir des combats qui menaient qui rendent que mesdames yo compte de 30% mesdames yo peut affronter en regarder sur scène politique haïtienne combien femmes que ouais qui brillent en regarder la presse haïtienne combien femmes que ouais qui entendent yo qui brillent parce que en pile dans yo pas arrivé comprendre que yo pas qu'à affronter gain des bagages que ou pas qu'à faire et comme ça tout gain yo question de féministes qui ba en pile problème des personnes qui en pile fois porter dans tête mesdames que cap égal avec garçon ça lui permet en pile fois que foyer pas équilibré OK moi même souhaiter que mesdames assumer responsabilité parce que yo gain responsabilité en dedans famille yo gain responsabilité dans décision sociale culturelle politique cap prend en dedans pays là c'est pour victime c'est eux même qui plus victime comme madame Sarah comme connaissant qui a fréquenté ensemble d'espace et même yo même tout qui pral postuler pour capable jeune un job directeur administrateur entendre pour utiliser yo pour capable jeune un petit job les ça si mesdames te prend ça yo prend ta yo yo te bien choisi ou bien pour yo te bien mener démarche yo te mener cause yo
y a des bagages qui a privé ou qui pas privé. Et nous pas qu'attendre pour nous un pays qui est équilibré. Tant que Jean Roosevelt, Jean Chantel, donner le monde aux femmes. Parce que selon lui, l'IOE, c'est un être qui fait avec l'amour, qui a empêché la guerre à travers le monde. Est-ce que nous allons mettre Haïti, je dis, sous contrôle d'une équipe femme? Qui côté a mené? Personne ne pas connaît, mais c'est pas là que nous avons. Mesdames, nous avons besoin de continuer à intégrer et continuer la bataille presque chaque jour. Bien content? Non, décision, c'est là. Dans Chita Palais, c'est là. Responsable Buni, responsable OPC, Premier ministre Gary Conille, il y a un mot qui est important pour mesdames, je viens de justice par rapport avec ça, qu'on est en dedans pays, et aussi principale victime des examens, et on lui a arrangé, Maria Isabelle Salvador, qui est représentant, venu dans le pays d'Haïti, qui prend la parole comme représentant des Nations Unies. Je dis, Nations Unies, ça qui a passé, il y a des yeux, il y a des comprendre, il y a des moyens nécessaires. Ensemble des pays qui font partie des Nations Unies, il y a des moyens pour aider les pays à sortir dans sa lia, pour droit femme de suspendre violer, pour droit de simon de suspendre violer. Mais non, il n'y a pas de direction ça. Combien de temps il y a plein et qui savent deux passer encore pour arriver et faire vraie mission ça en dedans pays en situation. J'aime de la désivenesse, nous allons venir avec ancien PM Jean-Michel Lapé, sous monsieur était ancien premier ministre sous Jovenel Moïse. Monsieur qui était présent dans l'émission Analyse sous Téléradio Métropole. Journée, alors samedi qui était 13 juillet. Hein. PM Jean-Michel Lapé dans le micro et confrère nous. Monsieur dit appel parole. Monsieur dit appel parole et parole monsieur Dio. Il a demandé pour nous analyser, pour nous questionner, yo, parce que pas oublier Jean-Michel Lapin. Monsieur fait toute une carrière dans l'État jusqu'à ce qu'il arrive comme Premier ministre. Et donc, là, moi, c'est que société, un pays, il est toujours bon pour nous capable d'entendre deux mondes, des acteurs politiques, deux mondes qui étaient passés dans l'État, qui compréhension, qui lecture de sa capacité là. Parce que, pas oublier, je dis nous ça, ça n'a vivre là, lycée mauvaise gouvernance, lycée mauvaise administration. Que la dernière année, que la classe politique a remis nous là, oligarque corrompu a remis nous là, la communauté occidentale a remis nous là, je dis, il faut regarder ça et faut analyser des événements. Très bien. Organisation élection. Ou dit, violent ou pas accordé, pour même, c'est qui action que tu as mené pour estimer que vous êtes même longueur d'onde? Moi, pense que responsabilité pour ça qui a passé, c'est CPT. Parce que à l'installation ou du moins à la prise de fonction de M. Conille, CPT a dû remettre les documents qui gagnent les grandes lignes d'action, les priorités du gouvernement, feuille de route. Et lui-même, il a pris pour responsabilité, c'est à partir de là. Il a regardé qui a voulu transformer grandes lignes en action et qui a bali. Et faciliter qu'on y a pour les chercher moun pour le mettre dans le ministère. Parce que c'est ça, gestion publique, là, c'est d'abord la conception, la planification et l'exécution. Exécution, c'est avec moun. Donc, bagay ça a mis là, l'imande 1, 2, 3 comme action, et défini, identifié. Donc, la capable de connaître, c'est telle ressource humaine, c'est telle compétence qui est capable peut-être pour tes résultats dans la situation. Ça. Est-ce que l'absence de cohésion, ça n'a pas risqué d'empêcher machine de marcher? Machine n'est bloquée. Hein? Moi, pour moi-même, ça m'a gardé là, moi, ouais, machine n'est bloquée. Parce que, ou gagner un gouvernement avec, bon, qui est capable peut-être gagner en pile compétence sur papier. En pile compétence sur papier, je répète, sans pour autant pas gagner habitude ou bien expérience dans les affaires de gestion publique. Malheureusement, on a constaté ça de gouvernement en gouvernement, c'est toujours des décisions politiques qui primaient pour yon ministère. Ça ne veut pas dire que moun n'a pas gagné compétence, non? Mais non, beaucoup voulaient d'accord que la gestion publique là sont sciences liées, même bien à toute l'autre science. Donc, c'est ça, on a constaté là. Un gouvernement, à la grande majorité, avec des novices, dans la gestion publique. Et ça va prendre un temps pour apprendre la machine. Et moi, j'ai une pile d'inquiétude. Particulièrement par rapport au ministère de l'économie et des finances. Est-ce que ce n'est pas un problème?
Ou t'es des PM, un CPM et Jean-Michel Lapin? Un CPM Jean-Michel Lapin ou la désir? Oui, Jean-Michel Lapin. Monsieur dit que machine nan bloqué. Les dit machine nan bloqué, ça veut dire gouvernement koni nan et conseil présidentiel yo. Monsieur Damien pas veut montrer ça. Mais moun kap suive. Et moun ki li nan ti let fin. Yo e gon blocage. Et ça en CPM koni avancé. Alors pardon, en CPM Michel Lapé avancé. Pour moi même c'est tout à fait normal. Parce que jusqu'à présent accord 3 avril qui accouché CPT1 dit beaucoup j'aime sortir dans journal payant le moniteur. Et c'est accord 3 avril là c'est lui qui fait 2 août CPT1 et gouvernement. Gouvernement, très bien. Et c'est Gary Koni c'est deuxième tête exécutif là qui t'a pral exécuté feuille de août qui mettait campé conseil présidentiel là. Appelez ça me dire non? Ensemble de partis, ensemble de secteurs qui t'ai voyé qui mettait campé conseil là qui représentant yo, yo t'ai travaillé son document. Yo est le 3 avril 2024. Et document ça t'est clairement dit. C'est premier ministre qui pral venir yo avec gouvernement là qui pral exécuter feuille de route ça et à quoi 3 avril là. Et jusqu'à moment on a parlé en la désir. Eh ben document ça à quoi 3 avril là, li beaucoup jamais publié dans journal officiel le moniteur. Et si jodi parce que ça pas ta problème non? PM koni documenté qu'a toujours publié. Et puis, il y a bal document pour dire, bon, mais ça pral exécuter lui-même, il fait de action qui peut être, qui lié et qui en dedans, point, dans l'accord 3 avril, non, oui. Ce qui va te déranger, non? Depuis ça, l'a fait, yo, yo pas or, yo pas en parallèle, yo pas opposé avec ça qui dit en dedans document accord 3 avril, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que, kounya, document pas publié, c'est vrai, PM n'a pas de document, mais on dit, étatiquement, il n'est pas sorti. Qu'on y a ou capable de dire que PM Koni l'a exécuté plan pal, fait de route pal. Ça veut dire, il n'est pas dans la question à quoi 3 avril là. Bien que, à quoi 3 avril là, il était déjà violé selon le monde. Très bien, ça, ça va dire. Depuis qu'on a été campé conseil, dans la prestation serment, dans l'installation, dans l'ensemble de bagailles, et venir avec le président conseil là. Parce que l'égo te dit, c'était une majorité 4 sous 7 qui voulait dégager. L'égo capable de mettre au monde comme président du conseil. Et l'égo pas fait ça, il a fait sous base de consensus. Que de ça, c'est déjà une violation que l'égo. Oui, très, très bien, très bien. Et c'est là, dès que l'égo a commencé. Et là encore que l'égo a imposé et Fritz Belizier comme. Bon, Jean que et un sénateur Moïse Chalte dit là. Là déjà c'est un ensemble de violations. Eh bien, Kounia là, Koni lui-même tout Koni son intelligence, son autorité. Et jusqu'à présent, président conseil a choisi sous base consensus, ce qui pratiquement en dehors accord 3 avril 2024 que tout y a parlé à. Eh bien, Koni qui vini, je dis en blessé personne. Koni vini ici. Non soit que monsieur songe, gain ensemble de monde qui a avancé pour dire, c'est une imposition qui a été faite avec tout conseiller présidentiel pour yo, yo voter à l'unanimité. Celle et Laurent Saint-Cyr qui pas de voter parce que secteur privé des affaires là, il était pratiquement dans le jouet là. Laurent Saint-Cyr était obligé de quitter le pays pour pouvoir pas de faire à l'unanimité pour pas montrer que yo même qui dans le secteur privé des affaires là, yo même yo pas de voter tête. Et parlier tout. Gagne dénonciation de corruption de gros l'argent qui baille dans question bagaille vote si là et Gary Koni très pétard avec nego l'argent jouet coquin habillé en pile monde garder Gary Koni comme un gros comme un gros à la tortue numéro 2 la situation hier pratiquement qu'on fait de où qu'elle vient avec ou après que Gary Koni a avancé là non sorti Gary Koni pour la Washington DC la situation il pratiquement éclaté bagaille là ou après Moïse Jean-Charles qui gagne entreprise li dans la rue dans faire mobilisation pour le cap attirer attention pour jeune plus bagaille. Et moi, je sais le rappeler. Il est d'accord
en partie que bien partager à tout parce que les ministères de l'agriculture et le ministère de l'environnement c'est Bali ou pas Bali ni pas pété et tout rappeler avec Gaïconi qu'il pas gon carte blanche n'importe là n'importe l'obé qui a pété contre gouvernement Blaise Peterson. Nous devons être très prudents. Nous avons un pays qui a goumé qui a pété notre tranché par ensemble autorité qui l'a eu qui pas pas porter un rien de sérieux comme changement. Mais si on a un paquet de bagages que vous devez faire, nous avons dit que le conseil présidentiel là, il a gagné 3 mois. Depuis, ils ont installé en fonction de la situation. Si vous avez essayé d'énumérer les grandes actions qui ont posé, qui ont des résultats pour la population, vous avez bien aimé que c'est moi qui ai regardé, qui a fait des quittatines, qui première grande action qui a eu, conseil présidentiel, et gouvernement qui déjà monté là, ils ont monté gouvernement aussi rapide, tant que Jean-Moi Jean-Charles te dit. Mais monté gouvernement à qui fait, qui ça qui a déjà fait là, je dis qui montrait que le peuple a pris un soulagement. Si vous avez regardé moi-même, tu as dit que je ne pas rien. Peut-être je mon cap garder capitaine de yo qui doit ouais plus loin passer nos blessures personne yo cap ouais qui ça CPTA et conseil avec gouvernement et exactement qui ça déjà réalisé. On avance avec Jean-Michel Lapin. Problème, est-ce que c'est problème monde qui gagne ou bien tout c'est parce que monde qui là pas fait assez de crédit qui fait que yo pas prendre des monde qui habitué à rouage l'état. Mais pas quoi c'est problème monde qui gagne, nous gagne assez de compétences. Moi, je dis déjà et je répète, entre ministère finance, ministère planification, ministère affaires étrangères, la primature, ou bien compétence pour faire 4 gouvernements même jour. Donc, c'est toujours une approche politique. Il faut que vous d'accord tout que décision ça qui mène nous à format de gouvernance que nous avons là, hein, on s'est pété avec 9 membres. Donc, son décision politique liée. Et décision politique, yo, à chaque fois, nous retrouvons dans une situation sérieuse. Parce que son parce héritage. Avec réalité, nous, on voilà. Bail résultat qui c'est son héritage qui grandit, qui vient de mettre dans sa vie. Donc, il n'y a pas jamais porté rien. Donc, hein, après 86, et 2004, hein, etc. etc. Donc, et, c'est là, moi-même, inquiétude, moi, Chita. Donc, moi, attends-moi dans les prochains jours. Je ne suis pas d'accord avec la tendance critique qui prend forme, l'opposition qui prend forme, qui cherche le contenu qui a été l'autre transition. Non, moi, je crois que le côté abrivé, particulièrement et dans 90 jours gouvernement, il est obligé de faire des rodages. C'est exactement ce que ça me doit poser. On me doit dire que dans environ 2 semaines, CPT a bien 90 jours depuis l'installer. Donc, est-ce qu'on estime la période de grâce là, monsieur, ont bien bougé ou bien tout a dû gagner des remaniements, des changements en termes de stratégie et en termes de ressources humaines? Parce que si il y a des gens qui ne peuvent pas faire des résultats, il y a un côté, il faut qu'ils mettent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais là, non, je pense que Léon Tijan. Léon Tijan trop pressant pour ne pas parler de bilan. Là, on voulait entrer dans le bilan CPT. Non. Et CPT a lui-même, qui, comme on a dit tout à l'heure, qui perd un temps pendant qu'il a cherché un leadership de gouvernance. Une élection fin faite, il était d'accord avec le président. Après contestation, il a dit qu'il avait dit la présidence tournante. Etc. Et faut que nous rappelions, faut que nous d'accord, nous avons gouvernance publique, nous avons gestion publique. Bon, situation permet nous tout, nous avons gardé des gens dans le temps, il y a 20 ans, 30 ans et même plus, qu'on a vendu la société comme des experts en gestion publique, et qui n'a jamais eu de chance, effectivement, de responsabilité de gestion publique. Et je dis à la pour que ça y est, c'est pas ça. Hein? Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu le temps pour c'est des secteurs politiques, et de chaque conseiller politique, il y a des secteurs, encore des secteurs politiques, et intérêts ou pas même, ni politiquement, ni économiquement. Malheureusement, dans l'installation ou bien dans la prise de fonction CPTA, il y a une bataille électorale qui a commencé. Donc, je dis à la situation qui est plus grave, parce qu'avec le Premier ministre Kony, qui est même pratiquement prend toute responsabilité des réussites et transition,
parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays. Hein, depuis nous gagnons un système bicéphale hein, avec un premier ministre, c'est la première fois que nous gagnons un premier ministre qui gagne 5 ministères régaliens là-dedans. Qui a droit de gestion sur 5 ministères régaliens. Qui est-ce là-dedans? Ah bon, ministère des Finances, ministère de Planification, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur et autres. Donc, là, dans le temps normal des choses, un premier ministre pas même. T'es capable à demander gain youn dans ce que ça nous autres là. Donc pour moi-même premier ministre là prend toute responsabilité de réussite ou d'échec de la transition. Et c'est là il gain contrôle machine là jusqu'à présent. Est-ce que c'est pas une assurance que le gain l'a réussi qui fait le poser action ça comme ça? Et en gestion publique, au départ, a parlé d'assurance de réussite. Hein, parce que ce n'est pas où pour faire tout le bagaille. Ce sont questions de système d'exécution. Donc, on prend par exemple le ministère des Finances, qui c'est épine dorsale, machine étatique. Là. Hein? Donc, qui j'ai une relation aujourd'hui entre ministre là, avec un chef de cabinet, d'après les informations qui partent dans le système. Là, ministre là, qui est là, dans le bon titan, mais qui est sorti, de temps, qui est là, dans le aujourd'hui, c'est pas la même réalité. Là. Donc, ça va prendre le temps pour le comprendre, la machine, là, hein, et qu'on y a pour l'orienter vers l'objectif que le gouvernement a. Là, si gagne Rita la donne, moi presque quoi que j'aimerais dire déjà, à partir du 1er octobre, je ne sais pas qui est. Qui conseille? Est-ce que c'est le premier ministre ou bien qui ministre qui vient annoncer au peuple que 7 février 2026 là, pas qu'à respecter? Ah, vous avez anticipé? Moi bien dit, je vais répéter encore, à la date du 1er août, prochain cap vin là si pas gain des actions calées vers la création d'un conseil électoral vers le renforcement de l'ONI pour nous connait qui ça électoral hier aujourd'hui parce que moun qui était et qui déplacé qui était peigné qui était quoi des bouquets hein qui est choyé côté hier. Il y a gain qui mourir là-dedans, gain qui parti etc. Donc gain doit gain mineur qui vient majeur tout. Justement, gain nécessairement doit gain un programme de renforcement de l'Office national d'identification hein qui doit déboucher dans tout pays à travers les collectivités territoriales avec la Désirlène garder ça, li vinn di nou ki ça. Et ouais, c'est vrai PM nan Koni montre que PM Koni montre que alors comme si pour empêcher que comme si de ministères qui c'est des ministères régaliens de ministères qui c'est des ministères clés on comprend jodi an dans coup planification intérieur et finances affaires étrangères tout ça yo ça montre clairement avec qui ça. Ça montre que, clairement, selon un CPM Jean-Michel Lapin, ça n'a pas dit que PM n'a pas de pap résultat avec le ministère régalien, ça ou non. Mais, il montre que, est-ce que le fait que CPM n'a pas contrôlé tout le ministère, ça ou, qui ça sape comme résultat? Parce que il vient de trop pression sous doule. Bon, c'est vrai, moun ki li mette dans ministère sa yo et ki doit c'est de moun ki li gen habitude travail ensemble avec yo. Mais qu'on a habitude travail ensemble avec yo, c'est pas là parce que là c'est un gouvernement, là c'est ministère. Et vinn prend pays à un contexte difficile comme ça, c'est là problème n'a posé. Et là problème n'a posé, donc ça on pense que Désir Venesse que situation li paraît vraiment compliqué et vraiment difficile. Par rapport avec sa gain comme situation. Est-ce que nous prenons le capable exactement joindre que le gouvernement pourra réussir ou pas?
que l'île dit trop bonnet pour parler de 90 jours pour gouvernement ça, pour nous parler de bilan pour lui. En tout cas, c'est ça qu'a dit bon côté et ancien PM Jean-Michel Lapin des Yvennes que l'irrité pour nous dire merci et pour nous. Par contre, histoire on rajoute tout petit. Bon, et ancien PM Jean-Michel Lapin